Artur Beterbiev amorce le dernier droit de son camp d'entraînement. Comme tous les boxeurs qui vont livrer un combat majeur, il participe à des séances de combat simulés avec ses partenaires d'entraînement. Beterbiev a une carte cachée dans son jeu, l'ancien champion du monde, Jean Pascal. La préparation de Artur, pour moi, était très, très importante. C'est un travail d'équipe et la raison pourquoi que j'aide Artur, c'est que, un, c'est un bon boxeur, deux, c'est un chic type. Puis quand il va gagner son combat le 26 septembre, c'est toute l'équipe qui va gagner. Ça va être moi, ça va être Marc, puis même le groupe Yvo Michel, alors il n'y a aucune rancune. Deux fois par semaine, Pascal monte dans le ring avec lui. Habituellement, ces séances demeurent secrètes, mais TVA Sport a eu un accès privilégié. Il apporte beaucoup, il apporte au niveau de l'expérience, il apporte au niveau de la vitesse d'exécution. On a un très bon partenaire d'entraînement qui représente beaucoup la force physique de Cloud, tout ce qui est au niveau de la résistance. Mais j'avais besoin de quelqu'un également qui apportait une vitesse qui était supérieure pour, encore une fois, pas être surpris le soir du combat. Les échanges sont vifs et explosifs. On essaie un peu de mélanger le boxeur. L'important, le soir d'un combat majeur comme ça, c'est d'être surpris par rien. Alors moi, je m'efforce, lors du camp d'entraînement, de lui rendre la tâche le plus difficile possible. Pascal est convaincu que Beterbiev, malgré son peu d'expérience chez les professionnels, sera prêt pour Tavares Cloud. Sincèrement, je ne serais pas étonné que Artur lui passe le chaos. Artur Beterbiev est reconnu pour sa force de frappe. Pascal peut en témoigner. C'est une brute. Je me rappelle la première fois que je fais du sparring avec lui. Tellement qu'il cogne fort, j'avais mal à mon cou pendant une semaine. C'est un cogneur, c'est un boxeur très puissant, mais très fort physiquement. Il est aussi intelligent. Reste à voir si Beterbiev arrivera à surprendre Tavares Cloud, un ancien champion du monde qui possède beaucoup plus d'expérience que lui. Nancy Audet, TVA Sport, Montréal.